Yo l'autre fois, gros bonjour à tout le monde. Merci parce que avec nous dans l'ESA sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager et intéresser, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet chaque fois nous poster une vidéo sur chaîne que vous avez une information sans problème. Dans le plateau, leader paysan Chavanne Jean-Baptiste a dénoncé Neg Axam, il dit qu'il spécialisé dans volet paysan dans le plateau A. Et il dit son situation sans pareil ça y a vivre dans question monde qui a envahi tes monde. Chavanne Jean-Baptiste encouragé pour gagner un comité qui mettait sous pied tout partout pour empêcher à tout faire prendre tes paysans. On a l'audace pour plus de détails. Plusieurs groupements paysans dans le plateau central qui a évolué en dans mouvement paysan papay MPP dénoncé groupe bandits sans foi ni loi qui a cherché fait d'appuyer sous terre. Paysan dans section Aguaïdion, rive gauche, commune Hèche, dans Luciane, Barak, Matelgat, commune Thomasik, dans la Miel, Akajou Bouilé, commune Sekalasous, dénoncé Neg Axam, bandit cap cherché fait manœuvre pour mettre yo dehors sous terre de travail depuis dix d'antan. Vraiment vrai, c'est un phénomène depuis quelques années. Depuis ce côté, gagne un tel état, côté paysan yo ap fait jardin, toujours gagne un groupe jeune garçon, parfois avec zam nan men yo, vin chasser paysan yo. Bien souvent, paysan yo victime sous même propre grand-parent yo, qui te pou yo. En bas direction mouvement paysan papa MPP, semaine passée a yo te plusieurs centaines, paysan te réuni dans Colader 4e section à Guaidion, rive gauche commune de Hèche, pour brasser l'idée dans cadre d'un grand colloque sous d'appuyant pour qu'a fait tout tes paysans yo. Commissaire gouvernement prépaquet Enchla et de Guillaume qui était présent dit la bataille pour empêcher bandit prend tes paysans yo et tout profiter déclarer la guerre ak moun kap monté sous tel état Géo Pipito. Ça fait d'appuyer pas sous terre dans plateau central tourner en pratique et bien souvent ça fait avec implication moun dans la police ak la justice. Chavanne Jean-Baptiste cap dirige mouvement paysan papay MPP encouragé pour mettre campé comité tout partout pour capable protéger tes paysans yo. Là eh bien c'est mettre comité dans tout département yo pour un comité national cap défendre droit paysan sous terre agricole pour que terre qui ka fait manger yo c'est dans mes paysans pour yo. Je dis avant nous dépendre de manger pépé qui sorti Saint-Domingue. Et je dis à Abinader, et rappelez-nous, quand Hitler, eh bien, il y a... Chavanne Jean-Baptiste, leader mouvement paysan papay, pour qu'on y a là chaque paysan qui gagne un mot sauté dans le plateau central, obligé à pas surveiller la journée comme la nuit, pour éviter Nego Poète fait d'appuyant psouyo. Ronel Odat, Inche, Radio Télé-Kiskeya. Coordonnateur Force Nord-Ouest Unie, Paul-Élie Faustin, qui était à visiter local au Fatma, et jeudi a dit de constater l'hôpital l'a fini à 90%. Cependant, route port de paix La Saline qui menait dans l'hôpital là, d'après ça, le fait qu'on est en très mauvais état. Paul-Élie Faustin profite, encourage directeur général au Fatma, Carl François, et pour recruter mon nord-ouest en priorité et mon qui fait études universitaires dans le département pour travailler dans l'hôpital ça et responsable organisation ça qui basé dans nord-ouest force nord-ouest unie Paul Élie et Faustin te parler comme ça dans micro correspondant dans nord-ouest Saint-Jean Whiskey. Visite ça, d'entrer dans le cadre côté que, et nous avons un pile rumeur côté que, immeuble là, t'as pas inauguré, juste pour nous mettre l'hôpital au Fatma. Mais, d'après visite des lieux que nous avons fait là, nous avons presque son chantier à 90% qui est presque ok. Mais pas oublier, dans le contrat, il y a une route bas nord-ouest, pas toute bas nord-ouest, une route La Saline, pour sortir de trois rivières pour arriver devant au Fatma que tu as supposé faire. Peut-être qu'il y a une amélioration pour le nord-ouest, parce que autrefois, mon Jean Abel était dans la rue, il a demandé pour faire ton son route dans le nord-ouest. Mais aujourd'hui, nous parlons de l'hôpital bientôt pour l'inaugurer, le plus vite que possible. Nous avons demandé directeur, comme c'est mon nord-ouest, pour mixer ses connaissances et capacité que qu'il gagne pour faire boîte la marche bien. Parce que faut mettre une enquête pour nous, pour qu'on ait, est-ce que film qui a construit l'hôpital au Fatma,
est-ce que pas de bon cob qui était dans budget pour te faire route trois rivières river devant au Fatma. Nous mandé de Géo Fatma, nous pas vinn baye carte blanche comme c'est nèg nord-ouest lié, c'est vrai, mais il supposé qu'on est dans pile petit petit malheureux malheureuse qui sont étudiés qui gagne diplôme dans main cap flané Port-au-Prince qui en bas insécurité. C'est-à-dire que nous voulons dire à 90% sorti dans petit personnel river dans cadre, c'est moun nord-ouest pour yoy parce que moun nord-ouest besoin on côté pour le travail. Dernier bagage que nous avons dit. Nous avons dit PM Ariel Henry, pressé, puis qui ça le café, puis rendre au Fatma plus actif parce que il y a un moyen qui pour débloquer le plus vite que possible pour permettre l'hôpital à inaugurer. Deuxièmement, sans retard, sans tracas, nous avons dit faut contrôler les gens qui en matière de ressources humaines, les gens qui sont employé l'hôpital là, pas employé l'hôpital, non, employé, excusez-moi, pas au Fatma, faut que contrôler moun sa yo comment vous êtes rentré dans au Fatma parce que nous t'a supposé gagner l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Merci. Voilà, c'est représentant organisation ça qui basé dans Nord-Ouest, Force Nord-Ouest Uni, Paul Eli Faustin qui t'a parlé comme ça dans le micro correspondant nous Saint-Jean Whiskis. Si toujours en province, nous pour aller dans Balatibonite, institution Georges Angus réalisé plusieurs activités pour marquer 104e année existence et en présence directeur parents élèves directeur en après éducation dans le département de la Tibonite la madame Téline Cosmeus Pierre président conseil administration agronome Samuel d'Haïti dit les satisfait pour côté les rivées journée jeudi en parlant d'institution ça plus détails à 1100 Madeus. Yo service religieux organisé dans l'église baptiste Ebenezer Saint-Marc 11 mars 2022 mettez sous un marche pacifique pour célébrer 104 l'année existence institution Georges Angus. Président conseil administratif là ingénieur agronome Samuel d'Haïti présente l'école là comme une référence dans ça qui gagne avec éducation. Président conseil là agronome Samuel d'Haïti fait louange pour tout le monde qui t'a collaboré pour faciliter yo rivé la journée jodia. Quoi pour dans ville Saint-Marc premier monde que ministère éducation nationale t'a décoré dans cadre éducation dans ville Saint-Marc c'est madame Fanny Paul. C'est ça que fait après on parler de l'école ça l'école Fanny et c'est une école qui gagne environ 2000 élèves la donne. Nous gagne environ 30 salles de classe et nous gagne préscolaire à part et c'est une école presque chaque année, le résultat examen officiel, c'est toujours sans souci. C'est rare fois que nous connaissons un élève pas passé. Donc sur l'école, nous disons que c'est homme du savoir et nous disons que c'est la doyenne des écoles de la ville. Dans la salle de classe, nous n'avons pas gagné plus que 40 élèves. En face, nous avons gagné un apprentissage normal suivant nos mots. Président du conseil administratif, institution Georges Angusla, ancien parlementaire Samuel d'Haïti, dit que des matchs qu'a fait pour mettre l'université dans le local là, pour faciliter les gens, former les têtes. Ça fait sonner là, tu profites de l'occasion pour honorer plusieurs anciens directeurs de l'école là. Balatibonite Saint-Marc, 1100 Madeus, Kiskeya. Il y a un nouveau président, Gabriel Boric, qui prête serment journée jodiale, qui porte un pile espoir et pour le peuple chilien. Et donc Chili a écrit une autre page tout neuf dans histoire à seulement 36 ans Gabriel Boric vini jodi a plus jeune président que pays Chili jamais élu. Faut que nous dit nous même tout nous connaît de jeunes contrairement à ça mon a dit à partir de l'élection ça et par exemple Jean-Bert Aristide c'est 37 ans il était gagné il est arrivé dans tête pays a et sans compter toute histoire nous révolution haïtienne là et monde qui était plus grand monde c'est certainement Dessalines qui était gagné 46 ans et avec Christophe après ça sont bonnes jeunes monde qui était faire révolution haïtienne. Alors ce président ça qui rive sous pouvoir, il soulevé un paquet espoir dans le peuple chilien et grand pile enthousiasme et tout dans pays voisin yo et qui priorité politique li et li même qui représente la gauche et qui défi qui attendait. Donc investiture Gabriel Boric jeudi a et en quelque sorte c'est aboutissement politique soulèvement social qui était fait pendant dernière année ça yo dans pays Chili qui était souqué pays à tant qu'on année 2019 et c'est un avocat dit c'est un ancien leader pays étudiant et dit c'est une nan porte drapeau
gros mouvement protestation et qui te gagné contre inégalité qui est gagné dans société chidienne non société miwo miba Gabriel Boric réussi imposer d'abord dans primaire gauche dans tap fait et puis après ça le remporter élection présidentielle là devant un candidat extrême droite expérimenté discours là te rivé séduit en pile chidien et il promet yon l'état qui pral protéger sa pi faible dans société et chilienne. Alors c'est gen des analyses qui a fait pour qui ça pral tenir pi devant et faut que bien comprendre Chili qui là je ne jodia en quelque sorte c'est modèle et héritage dictature Pinochet et puis après ça 30 ans expérience et surtout néolibéral et qui vient ba une société miromiba très et inégalitaire et côté tout le monde pas logé dans même adresse dans société ça suivant gain l'argent ou pas gain l'argent ou presque tout espace côté tout espace public yo privatisé et c'est ça Franck Godichaud qui c'est professeur dans université Toulouse Jean Jaurès dans pays la France un spécialiste dans pays Chili déclaré pour professeur ça qui spécialiste en Chili et il fait connaître en pile chilien qui gagne en pile espoir sous nouveau président Gabriel Boric et qui promet la construction l'état social pour essayer venir mettre plus égalité dans société a et par exemple sous question centrale tant coup éducation qui pas gratis il dit la bien faire une éducation de qualité gratis question santé qui pas gratis mais tout question retraite là tout ça yo capitalisé dans pays Chili actuellement et depuis sous dictature Pinochet donc réforme fiscale là c'est lui-même qui pral permettre que le capable mettre en application promesse li fè yo et ça pas facile selon spécialiste yo pour le capable rendre l'école université à gratis pour majorité chilien yo ou bien pour améliorer accès dans système santé dans pays Chili l'état chilien li promet là Boric et besoin l'argent en main et c'est vrai pays a plein ressources en bataille li gen cuivre li gen l'or li gen lithium li gen pétrole mais question c'est pour connait comment yo pral redistribuer richesse ça et selon Olivier Compagnon l'autre professeur d'histoire contemporaine université Sorbonne Nouvelle toujours dans pays la France et principe redistribuer richesse pays a dans pays Chili nouveau président promet là faut que l'état li gagne ressources qu'il a tout temps pour capable faire et seul moyen pour capable faire c'est dans impôt citoyen à payer impôt sur revenu chaque individu mais impôt tout sous entreprise yo et ou bien impôt l'œil yo mouri qui était héritage pour monde ça relé impôt et succession et alors que dans pays Chili taux impôt li très faible li très bas d'après ça Olivier Compagnon précisé et dans contexte ça et grand réforme fiscale nouveau président Gabriel Boric promet là et en quelque sorte c'est lui-même qui a considéré et comme nanan ça est le nerf de la guerre pour mettre nouveau programme en application si c'est pas ça le pape capable faire mais ça pas facile tout d'après ça Olivier Compagnon professeur d'histoire ça précisé parce que le fait connaître ça pral demander une série de consentement dans question impôt bon côté chaque citoyen chilien mais tout bon côté industrie chilienne yo et il dit il très probable Gabriel Boric pral rencontrer en pile opposition sur route li pour faire réforme fiscale ça en plus de ça son président qui pas gain majorité dans parlement pour faire loi passer donc opposition ça yo pral alimenter à partir de parlement puisque nouveau président li pral gain pour affronter un parlement li pas contrôlé jeune chef l'état chilien connaît une majorité chilien qui attend réforme sociale li te promet dans campagne électorale là li connaît tout que faut li probablement faire des concessions politiques et puisque coalition de gauche qui potel sous pouvoir yo en minorité dans tous les deux chambres ni dans chambre député et pire encore dans sénat d'après ça Franck Godichaud est soulevé pour raison ça Gabriel Boric nouveau président chilien l'a besoin pour gain accord tout temps toute une série de partis politiques il était battant élection et qui pas entré qui pas même programme ni même vision avec
à coalition nan, tant que par exemple démocratie chrétienne nan, ou bien parti socialiste chilien les a des tensions tout temps entre lui-même avec demande sociale il était porteur comme espoir pour changement dans pays Chili avec un gouvernement qui pas gain gros marge de manœuvre depuis un lagan il pas gain marge de manœuvre et qui déjà commencé à faire bac il peut même entrer dans palais monédal il commencé faire des concessions et qui dépamment à promesse il était fait dans campagne d'après sa professeur université Toulouse Jean Jaurès l'a précisé qui sont spécialistes de Chili par exemple il dit il paraît pragmatique et c'est ça vient paraître là dans moment la entrée à la papote et nouveau président lui déjà fait quelques concessions et concessions ça fait que des gens qui déjà déçu et de coalition politique là et par exemple yo ça yo considéré comme new star nouvelle gauche latino-américaine dans tout continent et li engagé dans lutte contre inégalité et défendre valeurs démocratiques dans continent mais ça pas facile pour lui et parce que c'est baptême du feu li pral prend là alors que Gabriel Boric et prend direction pays Chili jeudi a et ben grand assemblée constituante qui était déjà là l'a joine qui a travaillé sur nouveau constitution il a écrit et pour qu'a divorcer avec époque dictature Pinochet texte final nouveau constitution ça il va soumettre li bay peuple pour bay disons non référendum probablement qu'a fait dans mois septembre selon Frank Godicho et bien assemblée ça et politiquement très à gauche et il très influencé tout et dans tout ça t'a fait dans mouvement social dans tout pouvoir lever campé que se fait dernièrement et ça qui allait dans même direction avec nouveau président Gabriel Boric et c'est l'espoir pâle l'a capable de protéger processus constitution ça et qui a ridé pour mettre en place nouvelle et structure pour nouveau et nouvelle société et chilienne mais difficulté yo y a en pile quand même difficulté yo y a sorti tout côté tout d'abord et faut que rappeler d'après ça Olivier Compagnon fait songer 44% chiliens te voté dans deuxième tour là pour candidat qui était en face Boric là. Ça veut dire candidat expérimenté extrême droite là. Et moun sa yo c'est des nostalgiques de période dictature et yo très structuré et pas quoi pas Boric gaé, non structuré et yo va voter contre nouveau texte nouveau constitution ça dans occasion référendum là parce que yo compte li. Et si par hasard et c'est pas texte ça qui t'a approuvé ça pral mettre nouveau président en pile difficulté encore et pas même prévoir non situation quasiment ni pas ca gouverner pays à ingouvernable si nouvelle constitution c'est lui même qui adopté pendant référendum non et bien pourquoi il est là il peut qu'on connaît qui là il capable mettre en application pour la transformer et de, en profondeur société chilienne nan, à toute institution yo d'après sa Frank Godicho précisé en attendant investiture en fait jeudi a Gabriel et Boric li rivé sous pouvoir avec un gouvernement qui gagne en pile jeune la donne plus que moitié et même cabinet ministériel li en ces femmes 14 femmes sur 24 et qui dans et cabinet ministériel là qui soulevait déjà un pile enthousiaste non seulement dans pays Chili mais dans tout continent c'est certain tout j'ai fixé désormais sous pays et Chili nouveau président a gagné à soi pour paraître gens que tout président chilien fait sous balcon palais la Moneda dans capitale là dans Santiago et gens que tradition voulait pour adresser à peuple chilien on a plusieurs chefs d'état chefs gouvernement qui présents dans capitale chilienne occasion ça eh bien comme nous van voyage dans l'ouvri et pour Ariel Henry qui était très prudent sur question voyage mais qui inaugurait avec participation dans et sommet CARICOM avec Amérique centrale là sur participer là dans le pays Belize où elle était voyager très bonheur et depuis mardi il quittait capitale là direction pays Chili côté là participer dans installation nouveau président ça. Justement, on a parlé de Ariel Henry, de présence du membre gouvernement américain dans commencement semaine là, Anne Witowski, dans pays d'Haïti qui secrétaire d'État adjoint pour opération conflit et stabilisation
sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé, qui signe un accord Montana, dénoncer politique communauté internationale, là, surtout États-Unis, a pas appliqué dans le pays. Ancien sénateur Lavalastan, fait connaître discours acteur et Montana, et fait devant communauté internationale, là, pas changé. Et côté, en même temps, tout, il fait connaître présence diplomate américaine dans le pays d'Haïti, selon lui-même, pas changé donné. Et si yo toujours été dans même position été avant. N'attendez ancien sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé qui t'ai parlé comme ça dans micro Vladimir Maurice Ridoué. Pas quoi c'est des grandes choses non que diplomate ça américain ça foutre. Ça vient avec même message de foutre des navel, ça vient avec même message qui vient initier de venir ensemble avec lui, qui pour dire c'est dialogue qui pour faire c'est ensemble qui pour gagner haïtien. Ça que haïtien yo fait déjà et des acteurs de la société civile, des partis politiques qui fait partie et de Montana, yo en panneau après près de 1 an, yo accouché un document et qui pour orienter qui ça haïtien anglais. C'est que haïtien peut-être ensemble, ils ont dit mais qui Haïti que vous avez souhaité. Bon, c'est sûr que discours que vous avez transition de rupture là, n'est pas fait blanc. Bien, vous parlez de ça, parce que le projet que vous avez, c'est le projet pour renforcer la domination internationale là et sur Haïti. Mais cependant, yo tout yo diocèse yo haïtien yo fait effort déjà yo mettent tête ensemble. Ça qui est important c'est que il vient pour rencontrer avec les représentants à Montana. Montana sont balais qui vraiment large. C'est un pile en pile organisation et qui mettent tête ensemble et yo décidé pour yo tracer une autre ligne pour avion peuple haïtien et on va le rencontrer ensemble avec eux. Monsieur c'est même parole qui va le dire ça on va le dire c'est des efforts qui déjà fait mais ça qui présenté c'est même monde syndicat comme groupe là qui a essayé d'aller bien pour couvrir ils ont leur projet un projet qui visait à renforcer le système des ressources. Un projet qui visait pour les haïtiennes, un projet qui visait et continuer avec le système des ressources, qui en face ont leur projet côté majorité, les haïtiens et mon organisation, les haïtiens qui conscient, a demandé une rupture. Et c'est ça, seulement qui gagne, parce que le projet qui gagne, c'est le projet pour faire même sous. Pétrole que nous avons dans tout ça là, qui renforce avec la question qui a gagné entre l'Ukraine avec la Russie soviétique. Ça, vous avez gagné ce projet pour prendre tout l'or, cuivre, uranium, etc. Tout ça que nous gagnons dans tout ça le pays là. Mais pour tout ça, vous faites, il faut que vous fassiez une élection bidon, une élection pour nommer le député, nommer le sénateur, nommer le président, qui c'est un délinquant ou bien qui vient de dossier. Corruption, gagner de ces criminels. Et soudain, c'est ça qui intéresse eux, c'est nous qui pour diriger le pays, pour permettre de dicter ça que eux même ils veulent. Voilà, sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé, et sous question visite diplomate américain dans le pays d'Haïti, pour ancien député Aodo Bien-Aimé, il n'y a pas de espoir. Concernant la présence membre gouvernement américain ça dans le pays d'Haïti, selon ancien parlementaire, divers acteurs haïtiens, c'est eux-mêmes qui travaillent pour résoudre la crise pays. Et ancien député Aodo Bien-Aimé fait un plaidoyer en faveur d'un vrai dialogue entre divers secteurs pour retirer Haïti dans la crise côté lié. Ancien député a fait alliance à Cormontana à travers PEN. Et n'attendez qui te parle comme ça dans le micro, Vinner Joseph. Il y a monté des temps, une première réunion, une deuxième réunion, une troisième réunion, une quatrième réunion, une cinquième réunion. Et peut-être que nous arrivons dans un monde qui a venu. Je ne sais pas quoi que les visites à gagner par le côté comme il y a. Si ce n'est que nous autres Haïtiens pour mettre cette ensemble pour nous chita, pour nous chercher vrai consensus. C'est nous Haïtiens qui cherchons consensus. Et pour nous venir, et pour nous goûter, pour lui entrer en habitation. Est-ce que les diplomates ont rencontré nous-mêmes dirigeants PEMIO? Non, nous ne pouvons pas nous inviter parce que étant donné que nous comprenons ça avec le Montana, est-ce qu'ils font une invitation?
situation globale. C'est moi-même pas encore informé de ça. Même au côté, nous avons rencontré avec les dirigeants du monde. Là. Mais nous autres, nous pas souhaité nous participer à la question avec les représentants ou bien le secrétaire d'État qui vient voir. Vous dites que vous n'avez pas rencontré à côté rien comme résultat. Nous pas qu'elle rencontre rien, si ce n'est pas nous-mêmes Haïti mais cette monde. Parce que pas oublié. Non, j'ai envie de dire ça. Pourquoi j'ai dit ça pas venir là, son monde qui vient de planer. Nous pas qu'elle est venue pour lui combattre avec celle de tout. Gardez l'agenda à s'allier. Si le groupe de monde a proposé, et qui s'en va discuter avec eux, dès que nous pas connaissons la discussion avec eux. Mais le gardien agenda, c'est pour l'agenda de la République. C'est pas un agenda réel qui concerne les vrais problèmes ça là. Pour nous garder ensemble avec tous les acteurs, pour nous garder ensemble, pour nous donner un consensus réel. Pas quoi. C'est un agenda où c'est le premier ministre Ariel qui est pour partir. Un ancien député Aodo Bien-Aimé, d'après tout notre Bien-Aimé, et qui c'est ancien sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé, qui signe à Comontana, lui fait qu'on est gouvernement de facto Ariel Henry, il n'est pas capable de camper en face gang, yo, parce que c'est pouvoir là qui a supporté, yo, même yo, qui est entré dans le cadre politique PHTK, a mené dans tête pays depuis 10 ans. Et ancien sénateur Bien-Aimé, qui était représenté département nord-est dans le Sénat, dénoncé, sans le pas citer non, un groupe moun, et qui tenant opposition, je ne jodia, qui a le coré, et pouvoir, et tête caléa, à travers Ariel Henry, et Jovenel Moïse, tenant même deux jours avant assassiner, et qui était à peine campagne pour faire référendum à élection, et c'est même politique là, Ariel Henry à peine. N'attendez, ancien sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé, non micro Vladimir Maurice Ridou. Gouvernement pas qu'à santé et insécurité, gouvernement pas qu'à écanter le banditisme, parce que c'est même monde, ça c'est eux même au même pouvoir, au même régime. C'est PHTK avec Michel Martelly qui a commencé à gangrader, etc. Et Jovenel Moïse est venu avec gang tout partout, avec mercenaires, une balle à la tête. Parce que le peuple a été de 3 millions de monde qui devait manifester dans la rue. Eh bien, il n'y a rien qui est gagné, c'est gagner un Jovenel Moïse avec les Gachia. Nous mettons campé pour permettre que l'intimité et la population. Et Ariel, c'est une continuité d'un projet ça. Ariel, nous, même discours Jovenel de gagner, c'est lui-même et Ariel a continué ça avec lui. Discours pour parler de référendum, parler de. Le conseil électoral, élection, c'est-à-dire que je dis à tout le monde qui est dans la rue ensemble avec nous, et qui s'approuve bien contre le référendum, qui s'approuve bien contre l'élection, et que nous avons, je veux dire, ouais, c'est même discours Jovenel Moïse là, qui m'a bouché, même discours Ariel là, et tout le monde qui est dans toutes les élections. Pendant ce temps, il y a transférisé des 5 départements pour nous parler de ça, et circuler librement là-dedans, kidnapping, chargé de dizaines de kidnappings. Moi, je pense que c'est ça, c'est même malhonnête de la part de certains dirigeants qui ont une obsession pour l'élection et ont leur groupe tout qui m'a sous ces mamelles, qui croit que c'est sous ces mamelles-là, toute initiative que vous faites, il y a 4 millions, il y a 4 comme, eh bien, c'est que le pays a déclaré. Nous pensons que, pour qu'on ait conditions pour l'élection faite, conditions, le seul balayage qui a créé, c'est une concertation sincère, c'est une entente sincère de tout acteur au gouvernement que conférence nationale souveraine, l'IFEP, et pour nous définir qui projet que nous avons pour Haïti pour 10 ans, 20 ans à venir là. Ancien sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé, bon côté par l'ancien député Aodo Bien-Aimé, pas caché tête chargée par rapport à détérioration climat, sécurité dans le pays à chaque jour plus plus. Ancien parlementaire a dénoncé comportement manfou ben et gouvernement Ariel Henry côté la vie population cap souffri pas dit rien. Et ça le dénoncé dans l'interview li bay Radio Kiskeya, ancien parlementaire qui fait partie de peine qui signait à Montana et il parlait de ancien représentant Serka Kaval dans 50e législature hein, et il saisit tendé Ariel Henry pas fait ni de ni toile préféré prendre avion direction pays Chili pour aller participer dans l'installation nouveau président pays ça au lieu pour répondre invitation dernier tiers sénat sous crise pays n'attendel et ancien député Aodo Bien-Aimé dans micro Vinel Joseph.
Nous sommes déjà inquiets et inquiétudes pour la grandir aujourd'hui, malgré nous des personnages avisés, des avantages, malgré tout engagement qui nous trouve, pour nous mettre en contact là, mais malheureusement, il n'y a pas arrivé au jour les jours parce que l'autorité qui l'a eu, c'est une série d'autorités qui ne l'aime. Une série d'autorités en rien par rien pour eux. Une série d'autorités intérêt pays à pas intérêt, intérêt pays à pas intérêt. Côté problème là, c'est pas la géographie. Ce n'est pas des monde qui au service mais à l'écoute. Et nous qui cherchons à comprendre la dimension qui est là, qui est conjuguée ensemble pour nous garder comment nous concilier les accords pour l'union sortie des crises. Malheureusement, le premier ministre là, avec Aliélio, à gouvernement là, question kidnapping, question monde qui a mouru, insécurité au jour le jour, ça n'a pas intéressé à tel point où le premier ministre a dit pour programmer le voyage, qu'il peut gagner pour le départ. Jeudi, ça vient là pour l'investiture président au Chili, puisque le sénateur Lambert a invité le gouvernement de débattre sur la question insécurité, qui a fait rage dans le pays, a kidnappé, maman, qui a participé, pas comme qui s'est voulu le pour le parler pour l'invitation, ça, puis il y a un voyage là pour mettre le récit. Pas besoin de débattre sur la insécurité, pas besoin de débattre sur la question kidnappé. C'est normal si mon yon, c'est anormal, yon t'a révolté, yon t'a soulevé. Si ce que vous nous passez, vous n'avez pas le débat sur ça. Ce qui est important, c'est garder pour moi comment ma planète est vieille, comme premier ministre, président ministre en Haïti. Et c'est sa priorité, et qui fait que, je dis, c'est pas sur question kidnapping, question insécurité, question grand goût, chômage, misère, gain à payer. Ce n'est pas priorité à Ariel Henry, ni au gouvernement, ni à l'Élie. Au contraire, lui bon même, parce que pour lui-même, s'il était important, il était sérieux, c'est pas ta révolte. Il ne peut pas révolter. Il va le passer. Ça quitte le pays. Parce que nous prenons tout côté bien des gouvernements qui sont sérieux, qui respectent les pays. Je dis à ces citables, nous t'as convoqué la nation, nous t'as convoqué les États généraux, nous voyons comment nous sommes capables de conjuguer les fonds ensemble. Pour nous mener une formule pour nous éradiquer ce qui est un problème kidnapping et sécurité qui met blonager tout maman, tout papa, toute famille qui a conduit tout le monde dans la classe moyenne. Ancien député Aoudon bien-aimé fait partie de PEN qui t'a parlé concernant micro Vilner Joseph. Dans l'actualité internationale, le président ukrainien Volodymyr Zelensky lance un appel à l'Union européenne pour faire plus par rapport à la catastrophe humanitaire Ukraine a fait face. Non? C'est ça le dit, alors que l'Union européenne fait connaître le pape et bête l'Union européenne pape l'ouvre porte pourquoi elle est là pour recevoir Ukraine. J'ai président demandé le pressé, c'est normes qui mettait en application. Et il dit il a fait face à une catastrophe humanitaire, il faut que l'Union européenne en fait plus. Et pendant que 27 membres Union européenne ont été réunis dans le pays la France. Et côté, il fait connaître, il n'y a pas l'ouvrir barrière qu'il est là pour recevoir l'Ukraine comme nouveau membre. Pendant ce temps, l'autorité ukrainienne a dénoncé l'armée russe. Et selon Ivan Fedorov, qui est magistrat d'une ville qui est dans le sud du pays Ukraine, côté l'armée russe occupé ville, ça, d'après sa autorité, a dénoncé. Il dit qu'il y a un groupe 10 occupants. Dans l'armée russe et kidnappé magistrat ville Melitopol là et Jodia et c'est des soldats russes qui kidnappé lui aller avec et soldats ça qui occupé ville ça qui dans sud pays Ukraine c'est ça plusieurs responsables ukrainiens fait connaître selon même source non il fait connaître yo arrêté magistrat qui était trouvé dans centre crise et ville là qui chita en distance 120 km dans sud et Zaporotche et pour être venu pour occuper de questions provision et chef adjoint administration présidentielle ukrainienne nan, et Kirill Timochenko bon côté pas publié sur Telegram une vidéo qui montrait très loin des soldats qui sorti dans un building et côté au gain un nèg qui avec eux qui habillé en noir et tête nèg là semblait gon sac noir qui la donne mais c'est une image très loin et selon information yo et la rada et qui parlait de l'autre responsable même région ça qui c'est chef en après conseil régional Zaporotchia Leila Ibrahimova yo te kidnappé tout après ça et soldat russe yo la gueule quelques jours après la Russie était envahie et pays Ukraine dans date 24 février ville ça Melitopol te gagné 150 000 monde qui t'a vivre là-dedans.